Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, on va voir comment on réalise cette jolie tulipe. Alors, comme c'est bientôt la fête des mamans, je me suis dit pourquoi pas vous proposer un nouveau tuto de fleurs. Donc, j'ai choisi la tulipe puisque j'avais déjà fait la rose et la dernière fois, je vous ai fait les œillets. On va voir comment faire ces jolies tulipes. Donc, pour le matériel, là, j'ai utilisé du fil Brio de chez DMC. Donc c'est des pelotes qui changent de couleur, hein. Après vous pouvez utiliser le fil que vous voulez bien sûr. J'ai eu besoin aussi d'un pic en bois pour faire la tige. Donc le tuto de la tige, je ne vous le remontre pas aujourd'hui puisque j'ai fait un tuto que sur cette tige. On va avoir besoin aussi de fil de fer, un petit peu de fil de fer, d'un pistolet à colle, notre crochet numéro 3. Une paire de ciseaux, bien sûr, un marqueur de rang, une aiguille à laine. Un peu de ouate de rembourrage également pour bourrer la tulipe. Voilà, donc normalement, c'est tout ce dont on a besoin pour réaliser cette tulipe. Donc bien sûr, du verre, hein, du coton pour pouvoir réaliser les feuilles et la tige. Voilà. Donc on passe tout de suite aux explications. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire des tulipes. Alors, pour les tulipes, on va faire un bâton, hein, comme on avait fait pour les œillets. Donc j'ai fait une vidéo que pour le bâton, pour celles ou ceux qui veulent aller voir. Et donc aujourd'hui, on va voir comment réaliser ensemble la tulipe. Donc la base de la tulipe, ben, c'est les augmentations. Donc on va faire déjà un cercle magique. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, bien sûr, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, hein. J'ai toujours une petite vidéo qui explique que le cercle magique. Ensuite, à l'intérieur de ce cercle, on vient y faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que c'est fait, on peut serrer notre cercle. On va venir mettre notre petit marqueur. Et ensuite, on va faire des augmentations. Le rang numéro 2, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc le début, c'est le cercle magique. J'arrive plus à écrire. Ensuite, 6 mailles serrées. Ensuite, une augmentation x 6. Ça fait 12 mailles serrées. Ensuite, on va faire une maille serrée. Une augmentation x 6. On sera à 18 mailles. Ensuite, on va faire deux mailles serrées l'une à côté de l'autre. Une augmentation. Qu'on répète 6 fois. Donc, je ne reviens pas sur les augmentations puisqu'on l'a déjà vu souvent ensemble. Donc si vous ne savez pas les faire, pareil, hein, j'ai fait une vidéo que pour les augmentations. Et on va aller comme ça jusqu'à 36 mailles. Donc ensuite, 3 mailles serrées, une augmentation. On répète ça 6 fois jusqu'à la fin du rang. On doit avoir 30 mailles serrées. Et ensuite, 4 mailles serrées, une augmentation. Qu'on répète 6 fois et on est à 36 mailles serrées. Une fois qu'on a fait ça, on arrête d'augmenter et on va faire 11 rangs ensuite en faisant maille serrée sur maille serrée, toujours avec un total de 36 mailles serrées. Donc je vais commencer avec vous les augmentations et après je vous laisserai faire ça jusqu'à ce qu'on arrive au rang, au 11e rang où on a 36 mailles serrées. Donc là c'est le rang 1, le 2, 3, 4, 5, 6 et ensuite après le 6e rang on fait 11 rangs en tout. On fait 11 rangs donc on doit arriver jusqu'au rang numéro 17. Donc je vous montre le début pour celles ou ceux qui ne savent pas faire des augmentations. Donc une maille serrée, une augmentation, ça veut dire que
Dans la première des mailles, je fais une maille. Et dans la suivante, j'en fais deux. Je fais l'augmentation. Je continue. Dans la suivante, j'en fais une. Dans celle d'à côté, une augmentation. Donc, on en fait deux au même endroit. Et ainsi de suite. On continue ça jusqu'à la fin du rang. Le rang suivant, on fera une, deux mailles serrées l'une à côté de l'autre. Et dans la troisième, on fera l'augmentation. Une, deux mailles serrées. Et dans la troisième, l'augmentation, etc. Le rang d'après, on fera une, deux, trois mailles serrées. Et dans la quatrième seulement, on fera l'augmentation. Donc, si vous ne savez pas, vous allez voir la vidéo sur les augmentations. Et sinon, on se retrouve au 17e rang quand on aura fait tous nos rangs de mailles serrées. Donc voilà ce que ça nous donne une fois la tulipe terminée. Donc là, j'ai arrêté mon fil, hein, et ensuite, on va simplement le coudre. Mais avant, on la rembourra. Donc ça, on verra tout à l'heure. Donc je vous laisse faire une tige donc en enroulant le fil autour du bâton, hein, comme je vous ai déjà montré une première fois. Et là, je vais vous montrer comment on fait les feuilles de la tulipe. Puisque bon, elles sont beaucoup plus grandes que des feuilles qu'on a fait la dernière fois sur les œillets. Donc, on va faire cette fois-ci les feuilles comme ça. Donc, pour faire notre feuille, on va avoir besoin de fil de fer comme ça. Enfin, moi, j'en ai mis. Après, si vous ne voulez pas en mettre, c'est peut-être pas nécessaire. Moi, je préfère en mettre comme ça au moins. On peut vraiment lui donner l'aspect d'une feuille. Elle ne tombera pas. Parce que s'il n'y a pas de fil de fer dedans, elle va tomber. Donc pour ça, on va faire une chaînette de 20 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va jusqu'à 20 mailles en l'air, hein, je vais vous le marquer. Je vais le marquer là pour les feuilles. Donc 20 mailles en l'air et ensuite à partir donc de la troisième maille, on va travailler en demi-bride jusqu'à la fin. Et ensuite on tournera. Donc je vais vous montrer comment on fait. Hein. Donc j'en étais à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc là, je vais attacher mon fil de fer. Donc je le fais passer dans une des mailles et je vais le plier tout simplement un petit coup pour qu'il tienne. Et ensuite, on va travailler en demi-bride. Donc pour la demi-bride, on enroule le fil autour du crochet, hein, comme pour une bride. On va compter 1, 2, 3. Donc on va dans la troisième maille à partir de notre crochet. Et on va faire une demi-bride. Donc la demi-bride, on passe la boucle à travers toutes les boucles. Hein. Notre fil, on le fait sortir à travers toutes les boucles. Donc, on reprépare notre fil. On va dans la maille d'à côté. Et vous voyez, mon fil de fer, il est là. Donc, quand je pique dans la maille, je passe en dessous du fil de fer et je l'enveloppe avec mon fil vert. Je vais vous remontrer encore une fois. Donc, je prépare ma demi-bride. Vous voyez, mon fil de fer, il est là. Je pique dans ma chaînette. Je passe sous le fil de fer. Et comme ça, je l'enveloppe avec. Et on fait ça ben, jusqu'au bout de notre chaînette. Donc on va jusqu'au bout. Et une fois arrivé au bout, je vous montrerai comment on fait. Donc une fois qu'on est arrivé ici dans notre dernière maille chaînette où on a fait notre demi-bride, on va tourner. Donc pour ça, on va faire encore deux demi-brides au même endroit. Donc dans la dernière, hein, dans la dernière des mailles chaînettes. Et comme ça, vous voyez, on arrive de l'autre côté. Donc là, on va tenir notre fil de départ pour le cacher. Et on va faire la même chose donc qu'on vient de faire.
On pique dans la maille. Hein, donc là, on a tourné, on est de l'autre côté de la chaînette. Et on continue toujours en enveloppant notre fil de départ plus le fil de fer. Et comme ça, on va aller jusqu'au bout pour terminer notre feuille. Donc, quand on arrive au bout, on va simplement finir par une maille coulée dans la première des mailles du début du rang. Et on tire, on coupe notre fil. Donc celle-là, elle est un peu plus petite que l'autre. Après, c'est à vous de voir. Hein. Vous les faites de la même taille, vous les faites plus grandes, plus petites. C'est comme vous voulez. Voilà, moi j'ai fait exprès qu'elle ne soit pas de la même taille. Comme ça, une fleur, c'est jamais très symétrique de toute façon. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la tige. Donc bien sûr, après, on va le coller au pistolet à colle, hein, les feuilles. Donc ça, je vous laisserai les coller comme vous le souhaitez. Et on va encore finir donc la tulipe. Donc pour ça, on va prendre notre aiguille à laine. Donc on positionne de façon à ce que le fil qui nous reste, il soit au milieu. Vous voyez, comme ça. On va la remplir. Donc pour ça, on prend notre ouate de rembourrage. Hop. Et après, on va aller directement en face. On pique, vous voyez, je suis en face de là où j'ai arrêté mon fil. On va venir tirer comme ça. Donc, on va passer plusieurs fois pour que ça tienne. Et après, on passe le fil comme ça à l'autre extrémité. Et on va faire la même chose, on va retirer. Donc, bien sûr, vous rentrez bien la bourre pour qu'elle ne ressorte pas. Voilà, vous ne devez pas du tout voir la bourre. Hein. Donc, je vais passer plusieurs fois comme j'ai fait pour l'autre côté. Hop. Voilà notre petite tulipe. Donc là, on rentre notre fil, hein, on arrête le fil, on le rentre. Et on va pouvoir l'assembler. Donc, je vais aller chercher mon pistolet à colle. Donc la tulipe comme ça et les petites feuilles sans mes cheveux. Comme ça et on aura notre belle tulipe. Donc ce tuto est terminé, bien sûr il reste les finitions, hein, mais je ne vais pas vous montrer simplement pour rentrer les fils des feuilles et le coller au pistolet à colle. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, hein. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres tutos de fleurs, comme ça je vous les ferai avec plaisir. Voilà. Sinon je vous mets les liens de tous les réseaux sociaux dans les commentaires de la vidéo. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se revoit très vite pour un prochain tuto.